Bon, ben salut tout le monde, on a fait une vidéo et il a fait l'erreur de le supprimer. Merde, on a fait, comment on appelle ça? Il y a eu une box. Box, hein, ici. Mais excusez, c'est moi qui fais tout le temps des gaffes. Oh, regarde. On va vous montrer les produits qu'on a goûtés, ok? Bon, premièrement, on avait le Piccolo. Piccolo qui est ici. Un Piccolo. Hein, qui était super bon. On va mettre une. Ah, regarde, on va faire les notes là-dessus sur cette vidéo-là. Hein, on l'avait pas fait. Celle-là, ben, moi, que j'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé, ouais. C'était à saveur de crème de matcha latte. C'était super bon. Moi, je l'ai bien aimé. Je mettrais quoi là-dessus? Tu mettrais quoi, toi? Moi, 10. Moi aussi, je mettrais 10. Après, on a eu la tarte au sakura, qui est... C'est la zone d'avalanche aussi. Oui, la petite tarte au sakura, qui est une pâte de véritable feuille de sakura, ok. Jus de fraise. Hein? Là, on voit mal, là, mais bon. Hein, c'est au jus de fraise. Hein? Ouais. Hein, ça, c'était super bon. Ben, moi, je trouvais qu'elle était pâteuse. Que je ne mettrais pas un 10 sur 10. Était bonne, mais pas un 10 sur 10. Je mettrais un 8 sur 10. Moi aussi. Ouais. 8. Ok. Après, on avait les biscuits Sakura Mochi. Qui c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein? Qui était au haricot rouge. Ouais. Qui était super bon. Moi, ouais. Je les ai adorés. Je trouvais que ça goûtait à date. Je trouvais que ça goûtait à date. Que ça, je mettrais un 10 sur 10. Quoi? Non, moi aussi, 10 sur 10. Après, il y a le Sakura Mocha qui est là. Hein? Sakura Mocha qui était dans cette boîte-là. Hein? La petite boîte-là. Hein? Ouais, Sakura Mocha, c'est Monoka, il va dire Mocha. C'est au haricot rouge aussi. Celle-là aussi, on trouvait que ça était le chocolat, celle-là. Qu'on aurait aimé aussi, pas mal. Hein? Qu'on met 10 sur 10 aussi. Après, il y a les bonbons à la cerise. Ils sont où les bonbons à la cerise? Ah, là. Hein, ça, c'est merveilleux. Hein, c'est un délice. Hein, ça, ouais. Ça, c'est super bon, ces bonbons cerises-là. On a adoré ça. Après, il y a eu. Les chips à l'ail. J'ai même manqué les. Ah, bon. Les chips à l'ail, bon. On va les montrer. Hein, c'est. Là, ici, les chips à l'ail. Hein? Ok. Ouais, les chips à l'ail. Après, on avait les étoiles ici. Hein, qu'on trouvait que ça goûtait la noix de coco, mais en fin de compte, c'est le lait d'amande. Ouais, puis hein? C'est sucré aussi. Ouais. Moi, les chips à l'ail, j'aimais ça, mais je mettrais quand même un 8. Là, regarde, un 8. Ouais, là. Un 9 sur les chips à l'ail. Mm. Les bonbons. Ah ben oui, les bonbons cerises, ça je mettrais un 10. Ça oui. Hein? Ça. Ouais. Ça, je mettrais aussi un 10, c'était super bon. Ouais, moi j'ai adoré. Après le poriki, qui est je sais pas, au maïs. Là. J'ai trouvé que ça avait un goût bizarre. C'était bon. Mais je mettrais un 9. Pas un 10 là-dessus. Un 8. Un 8, ok. Après, celui-là, je l'ai adoré à la salade. Ah, il aimait bon en rondeur en plus. Ça a goûté la salade César, moi, je trouve. Ouais, celui-là, c'est super bon. Moi, je mettrais un 10 sur 10 sur là, tout aussi, hein? Ouais, un 10 sur 10. Celui-là, je l'ai adoré, mais quand j'ai su que c'est quoi la saveur, ça m'a fait peur. Mais c'est bon, je mettrais un 9 sur 10. Sur 10. Ah ouais? J'ai bien aimé le savon. C'est au. Si j'ai resté ce bruit, ça serait pas piquant. Au poisson et aigle. C'est comme poisson et aigle. Ça goûte pas de poisson ni l'aigle. Ouais, mais bon. Puis cette compagnie-là, ils sont forts. Il y en avait un avec les piments gauches. Mais peut-être. Ouais. Peut-être. Que je crois qu'il y avait une compagnie de manière de piments gauches. En tout cas, après, il y avait ça. Du lait aussi, bon, ça l'a bon aussi. Je l'ai mis en avant, c'est pour ça. Il y a celle-là qui était au café au lait. C'est comme des céréales, tu peux mettre ça dans du lait.
C'est comme une céréale qu'on a, vous, je sais pas si vous avez ça en France, mais nous autres, on les a au Canada. Hein, c'est au miel. Moi, j'ai pas capoté là-dessus, je mettrais un 5 sur 6. Toi? Celui-là ici, je mettrais un 7. Un 7, bon. Moi aussi, j'ai pas trop de. Après, il y a la Kit Kat aux bananes qu'on a adoré, les deux. On a capoté là-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu me cartes. Désolé. Une Kit Kat aux bananes. On l'a adoré au chocolat blanc. Il était super bon. Moi, j'ai adoré. Je le mettrais un 10 sur 10. Hein, que c'est ça. Et là, Hugo veut montrer quelque chose. Ça, c'est plus dans moi du genre, vu que. Ah. J'ai juste que. Montrer le dessin par rapport à ce que j'ai dans ma box. Ces personnages-là. Avec celle-là ici, il est où la petite boîte? Quelle? La boîte jaune. La boîte jaune? Ah, le dessin jaune, où se montre. Ça? Une boîte rouge. Une boîte rouge, ça? Ah, c'est. Ah, le petit bonhomme. C'est la même compagnie. La même. Ah, ouais, à cause de. Oui, ouais. Il y a un bonhomme là. C'est pour ça que je faisais la petite. Le petit, et eux aussi, il y a le même petit bonhomme ici. Il y aura avant, mais je l'ai aimé. Mais ça, je dirai. Le même bonhomme là, ici, là, le rouge là. Il y aura avant, je le dirai dans l'autre boîte parce que ça, ça n'aura pas avec une autre boîte. Et après, on a eu les deux. Umarubo. Celle-là qui était au. Au salami. Salami, on l'a adoré. Tayuriki. Lui, Taiki au burger, on l'a aimé aussi. Ça, on met les deux 10 sur 10. Que, ça, c'est ça. Donc, c'est ça. Désolé que vous n'avez pas vu la dégustation. Au moins, on vous a montré la boîte. La vidéo, comme vous voyez, va être. Je vous le redis, il va être sur les deux chaînes, sur la mienne et sur la chaîne à Hugo. Comme vous voyez, je vais faire. Je l'ai dit, mais je le répète. Je vais faire une vidéo de pub pour trois personnes, bien peut-être à soir. C'est ça. Donc, on va voir. Je sais pas, ça dépend ma batterie, de ma tablette et si j'ai le temps. Que c'est ça, je suis presque peu présent sur YouTube. Je suis présent sur YouTube pour regarder vos vidéos et répondre à vos commentaires, mais faire des vidéos moins présentes. Je suis plus présent sur Muscali. Allez vous abonner à mon Muscali. Je suis rendu à 132 abonnés, je pense, je ne sais plus, sur Muscali. C'est ça. Allez vous abonner à mon Muscali. C'est le même nom, c'est Paco le King comme ma chaîne YouTube. Que c'est ça. Dans une autre vidéo, je vais vous parler d'autres choses. Je vais recommencer à faire des lives, mais pas sur cette chaîne-là, pas Cool King, mais sur un autre. Mais en tout cas, je vais vous montrer ça. Je vais en parler dans une autre vidéo. Que c'est ça. Que bye!